Cause girl, you a sword that's left. Wanna count my chest, need to catch my breath real quick. My flesh, these words can't say. When you come my way, baby, get my feet, my chest. Je trouve que la vingtaine, c'est pour moi le moment le plus décisif de ta vie. En fait, t'es à la transition entre semi-adulte et adulte. Et les choix que t'opères maintenant, ça va définir en grande partie ton futur. C'est très bien que pendant la vingtaine, c'est là qu'il y a tout qui devient sérieux. T'as le taf, t'as les factures, t'as les relations, etc. Mais c'est là aussi où t'as la possibilité de plus évoluer, je trouve. J'ai commencé la vingtaine perdue et je ressortirai triomphant. C'est ce que je me suis dit. Donc dis-toi, si t'es dans la vingtaine et t'es perdu, c'est totalement normal en fait. On passe tous par ce chemin-là. Mais si t'as 20 ans ou dans la vingtaine et que tu l'as toujours pas fait, fais-toi une bucket list. Vraiment, je te le conseille. C'est une liste de choses que tu veux faire avant ta mort. Et en plus de cette liste, fais-toi une liste de comment est le toi futur, c'est-à-dire dans 5-10 ans, comment tu t'imagines, faut que tu sois le plus précis possible, comment il est physiquement, comment il est mentalement, quel genre de relation il a, comment il est financièrement, quelle est son activité, tout, mais vraiment, genre vraiment tout, dans le moins de détails. Je sais que ça peut paraître difficile, surtout si t'es perdu maintenant, mais il faut que tu le fasses maintenant. Maintenant, l'étape que personne veut entreprendre, c'est de mettre une deadline. Tu te dis sur 2 ans, je veux atteindre cet objectif-là, sur 2 ans, je veux ce physique par exemple, et pour l'atteindre, du coup, tu vas devoir le décomposer. Tu le décomposes en semaines, c'est-à-dire, tu dis cette semaine, par exemple, pour avoir ce physique, qu'est-ce que je vais devoir faire? Tu vas devoir aller 5 fois à la salle cette semaine. Tu vas apprendre à jouer du piano. Chaque jour, tu vas devoir en pratiquer 30 minutes minimum. En fait, tu décomposes ces gros objectifs qui sont sur des années et tu le décomposes par semaine et sur le mois. Et en fait, tu verras très très vite le fruit en fait de ton travail. Je vais mettre les 2 listes dont je t'ai parlé dans la description en Google Doc. Comme ça, tu pourras les imprimer ou les télécharger, le mettre en fond d'écran, ce que tu veux. Et comme ça, tu pourras le remplir et savoir où tu vas. Tu vas devoir reprendre le contrôle de ton temps aussi. C'est la notion la plus importante. Au fond de toi, tu sais que tu passes trop de temps sur TikTok, sur les jeux vidéo, sur YouTube, etc. Mets-toi des limites. Tu te mets un timer sur le temps que tu passes sur ces choses, parce que en fait, ça te bouffe vraiment trop de temps. Crois-moi, une fois que tu devras accomplir ces petits objectifs journaliers, tu auras moins le temps d'aller sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, et tu te casseras plus la tête à être productif pour construire un futur qui te plaît. Et je te jure aussi, tu seras moins en moins dans tes pensées négatives. Toujours à remettre ta vie en question tous les 5 minutes. Quand t'es dans la vingtaine et que tu sais pas ce que tu veux faire, c'est ce que tu fais en fait. Tu te remets tout le temps en question. Alors plante les graines aujourd'hui en faisant cette liste et arrose-les chaque jour en travaillant pour les voir grandir. Y'a que comme ça que tu peux vivre une vie qui te plaît et dont tu es fier. Une fois un de tes objectifs atteint, tu pourras regarder en arrière et voir tout le chemin que t'as déjà fait. Et putain, c'est la meilleure sensation au monde. Et oublie pas de faire les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.